Je vais créer mon monde Minecraft, et comme seed, je vais mettre ce petit soleil. C'est un soleil, ça, normalement, hein. Et bah, c'est parti, let's go. Et on va voir, du coup, ce que ça donne. Et on apparaît à côté d'un village, d'accord. Bon, ça commence super bien. Et c'est un village assez sympa, en vrai, qui est à côté d'une forêt, comme ça. La deuxième étape, c'est de voir s'il y a un lac de lave dans les parages. Ce qui nous permettrait d'aller dans le nether très rapidement, vu qu'il y a un golem là-bas. On a une petite faille, ici, et il n'y a pas de lave au fond. Il y en a une autre ici, et il y a de la lave là-bas, mais c'est pas assez. Si je vais voir là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Il y a un lac de lave là, mais il est genre enseveli sous le monde, tu vois. Admettons qu'on sache où aller, qu'on se fait des outils en pierre. Et donc, je vais là-dedans. Si je vais dans le nether là-dedans, ça donne quoi? Eh bah, c'est parti, on va voir. Et j'atterris là, ok. Il y a une forteresse à 291 blocs par là, comme ça, du coup. C'est-à-dire qu'il faut traverser tout le lac de lave et on arrive à une forteresse, ok. Et un bastion bien plus loin à 725 blocs, donc bof pour le speedrun en vrai. Le stronghold est à 1667 blocs du spawn. Et on va voir combien d'œils il contient. Allez, tu es où, petit portail? Là, un œil. Bon bah, je vais lui donner la note de 5 sur 10. Abonnez-vous.